Bien salut à tous et à toutes, c'est Motin 955 et aujourd'hui on se retrouve pour le 9e match de la NDX, enfin le tournoi de la NDX. Et avec moi j'ai Crane Overdose. Salut Crane, ça va? Salut tout le monde, ça va et toi? Bah bien sûr, ça va, ça va. Et aujourd'hui c'est assez spécial parce que tu m'accompagnes, parce qu'il y a Pazit et forcément t'es là aujourd'hui pour commenter avec moi, ça fait plaisir. Et aujourd'hui on a du Extreme Pardex contre du Scud Toxic. Et je pense que ça va faire un très bon match. Je sais pas toi mais... Oui, je pense que oui. Alors c'est parti. Alors il faut savoir qu'on est sur la carte Érosion en mêlée générale, 30 points pareil, 100 temps. Et les armes qui volent. Donc voilà, je pense que on peut avoir un bon petit match. Donc j'ai envie de dire que c'est parti hein. Ouais, c'est parti. Alors, tes petits pronostics pour ce petit match entre Scud... Moi, je dis que ça va être serré. Ouais, serré, tu penses? Ouais. Ouais. Ben, moi aussi, je pense que ça va être assez serré, en sachant que Scud, ça fait pas très longtemps qu'il est dans la team. Enfin, pas très longtemps, je me comprends, en sachant que Extreme Pardex, ça fait super longtemps qu'il est dans la team. Et Scud, lui, bah, ça fait un peu moins longtemps. Ouais, un peu moins longtemps. Donc voilà. Et je pense qu'on va pouvoir avoir un très bon match par rapport à ça, parce que Scud est un très 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 bon joueur par rapport à tout ça. Donc, en tout cas, moi, je suis Scud. Tu suis Extreme? Ouais. Ok. Bon. Bon, moi c'est de la MP7 silencieux, tour de passe-passe, bonne gâchette, visée solide. D'accord. Et pour toi, c'est quoi? Moi, alors pour moi, ça, c'est la P90 chargeur grande capacité, flash et. Il a pas de grenade, je crois. Je suis pas sûr, je vais attendre de voir, mais je crois qu'il a pas de grenade. Il y a un petit tir dans la tête au passage. Alors. Ouais. La P90, ça, j'avoue que c'est une bonne arme. J'aime bien l'utiliser. Je l'apprécie comme arme. Elle est assez maniable. Ouais. Je t'avoue, c'est ce que j'utilisais ça dans un autre Call of. Et franchement, il était pas mal à utiliser. En tout cas, si, comme vous pouvez voir, Scud Toxic a comme nom de clan Waza, mais c'est tout à fait normal. Il faut savoir que Waza, c'est un mot, enfin sa phrase à lui, ou enfin plutôt son mot, oui son mot, qu'il aime dire, très souvent quand il joue avec nous et qui en fait aussi. Il m'a dit une fois, voilà, quand je vois Waza, quand je dis Waza et tout, je me sens pousser des ailes. Donc voilà, en gros. Oh, je m'arrête là vite fait pour un petit couteau de lancer là qu'il a mis au passage sur Extreme. Assez joli d'ailleurs. Assez joli. Ouais. Je crois qu'il. Oh, bien joué. Bien joué, bien joué. Ça fait du combien? 6-1 pour l'instant. Oui, 6-1, et là c'est une assez grosse raclée par rapport à Extreme. Oh là là. Ouais, et il lui pique son. Ah non, il a voulu lui piquer son arme et il s'est aperçu que c'était une grosse merde son arme, donc il a rééchangé. Allez, bon, finalement il aura peut-être dû changer. Non, il sort. Il a voulu. Oh, il l'a perçu. Oh, dommage. Là, il veut jouer au petit couteau de lancer, là. Ouais. Il n'y arrive pas forcément à chaque fois. C'est sûr. Il l'a perçu. Et hop là. Il va devoir. Le retrouver dans cette map, cette grande map. Non, elle est pas si grande.
Ouais, c'est sûr. Il a été flashé, c'est extrême qu'il l'emporte pour ce match. Enfin, pour ce duel. Alors, oh ça y est, il l'a vu, oh, oh j'avais cru qu'il l'avait touché avec son couteau de lancer, mais non, même pas. Oh, 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 joli, joli, joli. Couteau de lancer. Alors, je vois qu'il s'éclate avec son couteau de lancer au passage. C'est normal. C'est amusant. Ouais. Hop, il l'a vu. Ah, oh, joli. Alors, par contre, il faut savoir que la P90 est bien, mais quand il s'agit de tirer avec le plus précis possible, c'est pas l'idéal. Enfin, je sais pas ce que t'en penses pour ça, mais. Ouais, avec un silencieux, elle est beaucoup plus précise. Moi, je l'aurais mis avec un silencieux chargeur de grande capacité. Peut-être avec un silencieux, mais c'est vrai que toute seule comme ça, c'est ça, ça c'est complexe. Allez. Alors, juste au passage, là, je m'arrête vite fait. Bon, il y a un petit cut quand même d'extrême, pas mal du tout. Donc, oui, je vous lis. Oh, joli, encore. Scud avec un couteau de lancer encore. Et rebalance encore un couteau de lancer. Il récupère sur extrême le cadavre mort. Et le renvoie. Oui, au passage, je voulais dire. C'est vrai que on est nombreux, très nombreux dans la team. Et c'est vrai qu'on ne pourra pas. Peut-être pas passer tout le monde, malheureusement. On va passer seulement ceux-là qui me répondent au message. Ceux-là qui me répondent pas, bah, je ne pourrai pas les faire passer car on arrête ce samedi-là. Alors, vendredi soir, on est le vendredi 26 octobre. Et on arrête le tournoi, enfin le premier tour, demain soir, donc le samedi. Donc, ce qui veut dire, c'est que dimanche, on enchaîne avec le deuxième tour. Et le deuxième tour, ça commencera par Sim Ronaldo contre l'Italien du 6000. Et ça va faire un bon petit match. On va commencer à revoir les bons petits matchs. D'ailleurs, Kran, tu seras contre moi. C'est ça qui est bon. Oui, oui. Et on aura Abou et Zit aux commentaires. En attendant, j'ai bien l'impression que... Et voilà. Mais oui, j'étais en train de suivre Extrême sans faire exprès. Ouais, il a sorti le sniper. Ouais. Et là, voyons un petit peu les scores. 17-7. C'est quand même une sacrée raclée pour Extrême là. Je vais pas dire mais. Oh oh, il a fait Ah oui. Ah. Un hit marker. Voilà. Exactement ça. J'aime pas trop employer cette. Ah, encore un autre. Non. Ouais, encore un. Oh, il l'a vu, il l'a grillé, et oui, il aurait pas dû sauter. Ah, c'est bon, derrière toi, Pardec. Oh, il l'a eu. Je pense que Scud doit savoir à peu près les... Oh! Oh! Les spawns. Ouais, les spawns. Au passage, Scud a tiré deux fois dans la fumigène. Il a touché deux fois sa cible. Hitmarker wallbang. Ouais. Alors c'est énormément joli quand même, au passage, parce que franchement il fallait le faire. Oh, joli, en pleine tête. Ouais. Ah, il se débrouille vraiment bien, hein, Scud. Hein. Franchement, il y a pas à dire. Vraiment pas à dire. Oh là 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 là. Joli. On est à du 22-7 et Extrême n'arrive plus à mettre un point sur
sur sur la partie là, il arrive pas à faire un autre point. C'est dommage pour lui. Va-t-il revenir? Oh! Et encore un pour Scud. Et il est bien élancé. Alors ne vous inquiétez pas, il y a Raptor Mseto dans la partie, mais ne vous inquiétez pas, il y a un téléspectateur, c'est tout. Voilà pour le moment. Voilà pour le moment. J'aime bien. C'est la voix. C'est tout pour le moment. Voilà, c'est tout pour le moment. Bon, il joue au loup là, on dirait. Il se cherche. Ah, ouais, Scud, il l'a vu. Scud l'a vu aussi. Bon, tu parles de Extreme qui l'a vu ou... Non, c'est Scud qui l'a vu. Ah ouais, ok. Oh, oh. Ah, oh, oh, je... Oh, mais je sais pas. J'aurais bien voulu revoir le petit... Noscope. Ouais. Ouais, j'ai une petite impression que c'était limite à côté quand même. Ouais, c'est Call of Duty. Ouais, il y a des moments c'est précis, des moments c'est pas précis. Enfin... Ah! Voilà! Ouais. C'est moi qui ai mis le moins de combat moins qu'il est dans une partie. Alors, ouais. Alors, il faut savoir que Scud est à 26 et lui reste plus que 4 kills. Extreme est à 10. Oh, bien joué, Extreme. Et là, il remonte. Il remonte. Va-t-il remonter jusqu'au bout? Oh! Headshot. Ah oui, là, headshot. Il lui reste plus que 3 points pour Scud. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Oh, bien joué, Extreme. Bien joué, Extreme. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Oh, il l'a vu. T'es mal, Extreme. Il s'amuse avec lui. Scud s'amuse avec Extreme. Il est mort. Allez, plus que 2 points. Et il a gagné, il aura participé, enfin il se sera qualifié pour la deuxième partie du tournoi. De la troisième partie. Non, la deuxième. Non, enfin le deuxième tour quoi. Ouais, oui, bah oui, c'est encore premier tour, je suis con. Oui. D'ailleurs, j'ai pas vérifié, je sais pas si ça fait les quarts de finale, les huitièmes de finale. J'en sais rien du tout encore, je crois que ça... Ça fait l'écart, je crois. Alors, on est tellement nombreux et ça dépend encore qui va passer, je ne sais pas encore. De toute façon, il faut que tu fasses une dernière personne, un dernier groupe. Parce que vu qu'il y en a 9 là, il en faut 10 au moins. Bah ouais. Et oui, de toute façon, il faut 10, sinon ça va foutre le bordel. Oui et non. Parce qu'il faudrait encore faire 4 matchs pour arriver à un total de 2 à chaque fois 2 contre 2. Ah voilà, 1 contre 1. Voilà. Et voilà, Scud Toxic. Revoyons un petit peu sa webcam de fin. Ah, petit Titanic. Oui. Super, magnifique. De Scud Toxic. Eh bien, bravo à toi, Scud. Du 30 à 13, c'est pas mal du tout, j'ai envie de dire. Ouais. Extreme, il se débrouille quand même pas mal, mais contre Scud, bah voilà quoi. C'est. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout, et faut avouer que, bah. Ça défaite, malheureusement, mais bravo encore à vous, les gars. Et merci d'avoir participé, si vous allez m'entendre. Et merci à toi aussi, Crane, d'avoir. M'avoir. Était avec moi pour ce petit commentaire. Et je te remercie, je te souhaite une très bonne soirée. Je ne sais pas si ce soir on va en retourner un, mais on a tourné encore un match. Mais en attendant, je pense qu'on va sûrement s'arrêter très bientôt. On arrête le tournoi samedi, donc voilà. Donc ça va aller très vite maintenant et on va passer au deuxième tour. Donc voilà. Ouais. Eh bien, écoute, je te dis, mis à part si t'as encore quelque chose à dire. Non. Non. Bon, bah écoute, en tout cas, je te dis bonne soirée à toi et ciao, bye à tout le monde. Ciao tout le monde.